Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les aventures de Kirby dans Team Kirby Clash Deluxe. Alors, j'ai déjà été chercher quelques voyageurs solitaires et j'ai trouvé vos Kirby. Pas tous, évidemment, parce que je ne peux en avoir que 3 à chaque connexion. Je me suis connecté 4 fois pour avoir des voyages solitaires, donc j'en ai eu 12 différents, mais j'en ai encore d'autres que j'avais eu les fois précédentes, donc on va voir ça, et aujourd'hui on va faire, je vais débloquer en très difficile, ici, Suzy parallèle. Voilà, il faut 120 pommes joyaux, c'est vraiment pas mal, c'est beaucoup de pommes joyaux, il faut vraiment les économiser beaucoup pour pouvoir débloquer ces boss là, mais c'est pas grave. Alors on va tenter Suzy parallèle en très difficile. On ne l'a jamais fait, on n'a jamais eu comme boss par avant, donc alors on va commencer. Alors Nazor, c'est très bien, on va le prendre. Alors on va prendre, on va prendre d'autres. Nous allons prendre Alec 24 et alors est-ce qu'on prend encore un roi des rayons ou un héros à l'épée? Alors là je ne sais pas du tout. Je serais bien tenté par un roi des rayons. Je pense que on va faire une équipe de roi des rayons. Et on va voir ce que ça donne hein, tout de suite. Hein. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si. Un gros pouce bleu si vous appréciez ces vidéos avec vos Kirby. Ouais, j'adore cette équipe. Elle est composée de roi des rayons. Et ils sont tous vraiment très très jolis vos Kirby. J'adore. Franchement, ils sont super bien. Ouais, et le temps est déjà arrêté. Ça, c'est super cool. Voilà, on a bien le temps de la frapper. Et je pense que là, c'est pas mal. Voilà, elle se met en colère. C'est bien. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième partie de ce combat. Allez, c'est parti. Maintenant, on va avoir le fragment. Si on pouvait arrêter le temps maintenant, ça serait génial. Ouh non. Ça, c'est pas cool. Elle m'a touché. Voilà. On vient m'aider, ça c'est cool. Maintenant, il faudrait arrêter le temps, ça serait vraiment bien. Hop, je vais aider mon équipier, et voilà, ça c'est fait, on a tous les fragments, oui, en plein dans le centre, c'est pas mal, je pense qu'on va avoir un bon bonus, et 51351, c'est génial, allez, maintenant, on continue, et le temps est arrêté, c'est magnifique, merci à vous trois, on y est presque, et je pense que ça va le faire très très facilement, et voilà. Nickel, c'est génial, on l'a battu, mais vraiment les doigts dans le nez, comme on dirait. Pardon, j'ai bousculé mon micro, désolé. Et bien voilà, c'était un super combat. Et merci à vous trois, parce que sans cette petite équipe, et bien avec les équipiers classiques de la console, je serais pas arrivé à battre ce boss aussi facilement. Et on a une médaille d'or directement. Et je pense qu'on n'est pas loin d'une médaille de platine. Il manque vraiment pas grand chose à mon avis. Et on récupère 20 pommes joyaux. Ça c'est génial. Maintenant on va passer au deuxième combat. Et on va changer. On va changer d'équipier. Hein. Donc je vais prendre encore. Et voilà. Nous avons une nouvelle quête qui est apparue. Et Landia parallèle.
Eh bien, on le fera dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore trop quand, mais on la fera. Ça, c'est sûr. Donc, maintenant, nous allons passer... eh bien, on va se refaire bonne curse, là, en très difficile. On n'a toujours pas une médaille de platine. C'est un petit peu énervant, mais voilà. Alors, maintenant, on va essayer de le battre, hein. Et que ça soit pas... Non, Nazor, je viens de le prendre. On va prendre Lilian, Totof et Nicolas 349. Voilà, trois petits Kirby qui sont les vôtres. Et j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaît toujours autant. Moi, je trouve que c'est toujours super cool de pouvoir jouer avec vos Kirby. C'est simple, c'est vraiment sympa. C'est dommage que ça ne soit pas vous qui les contrôliez. Ça serait quand même vachement mieux, mais bon. C'est déjà pas mal. Voilà. Allez, bonne curse. Il est en colère. Ça, c'est bon. On est à la moitié. Ouais, bon, j'ai réussi mon attaque spéciale. Ça, c'est bien. Ouais, encore une. Ça, c'est bien. Et maintenant, il nous faut tous ces fragments. On se protège un petit coup. Allez. Hey, non, 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 non. Ça, c'est pas cool. Je suis à terre. Allez, venez vite m'aider. Il faut qu'on termine ce combat le plus rapidement possible. Ça serait bien, mais je pense que pour la médaille de platine, c'est déjà foutu. Ouais. Parce que là, le temps, il file, il file, il file. Et on a à peine les fragments, là, seulement maintenant. Donc, ça va pas être très très rapide comme combat. Allez, hop, le dernier fragment. On va aider notre petit équipier. Voilà. Totof est remis sur pied. C'est bien. Hop là. Et c'est encore un super bonus. C'est en plein dans le centre. C'est pas mal du tout. Et alors, je voulais vous dire, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé de faire Mythopia. Alors Mythopia, j'y réfléchis, je ne sais pas encore, mais probablement que je ferai un petit let's play. Ce sera pas un gros let's play à mon avis, je pense que je vais le faire. Je vais sans doute débuter ça prochainement. Dites-moi si ça vous plairait, franchement, si vous voulez vraiment que je vous fasse un petit let's play sur ce jeu. Je suis un petit peu mitigé sur ce jeu. Je sais pas si je vais bien accrocher, si je vais vraiment apprécier ce jeu ou pas. Donc j'hésite un petit peu à le faire. C'est pas mon style de jeu en général. Maintenant, pourquoi pas, je vais peut-être super bien aimer, je ne sais pas. Je vais voir. Donc je vais le tester. Et puis on verra. Hein. On verra. Et dites-moi si vous voulez que je le teste directement en vidéo. Pour vous. Dites-moi tout. Dites-moi si ça vous plairait. Maintenant, on cherche... on cherche un autre boss à faire. Et on a le roi d'eau. On n'a toujours pas de médaille de platine. Alors, on va prendre Paul. Alors, nous avons Matman. Et qui ça ? Qui d'autre 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 ? Et Lucie, oui, bien sûr, Lucie, évidemment, que je croise quasiment tout le temps en voyageur solitaire, comme Matman, comme Alec24, comme Nicolas, comme Paul, Raphaël,
Il y en a pas mal qui reviennent très très souvent. Il y en a d'autres que je croise de moins en moins. Je sais pas pourquoi. J'aimerais bien les croiser plus souvent. Là, j'ai plus les noms en tête directement, mais alors, bon, là, je suis concentré sur le combat, mais j'ai mon petit papier à côté de moi. Mais c'est vrai qu'il y a des noms que je n'ai plus vus depuis depuis quelques jours, voire 2-3 semaines, et c'est un peu bizarre d'ailleurs. Donc je sais pas, est-ce que certains abonnés n'y jouent plus? Je ne sais pas du tout. Hop, allez, on va faire une attaque spéciale, voilà, ça c'est fait. On a les fragments. Hop, allez, on prend tous les fragments. Voilà, ça c'est bien, c'est cool. Un bon bonus, hein, cette fois-ci. Oui, on est quasiment tous dans le centre. Ça, c'est bien. Alors, on va être à combien? 65 701. C'est pas mal. Et voilà, c'est suffisant pour le battre. Donc, je disais, j'ai ma petite liste ici. Eh bien, j'avais un Kirby qui s'appelait Noah. Qui est dans les abonnés. Que je n'ai plus croisé depuis un petit moment. Il y a un autre Kirby qui s'appelait Zelef. Je n'ai plus croisé non plus. Il y en a un autre Momo ou Coraline. Donc voilà. Il y a Buster X aussi que je croise de temps en temps, mais pas aussi souvent que les autres. Donc j'aimerais bien les croiser un peu plus souvent et faire des vidéos avec. Avec ces Kirby là aussi, mais voilà, c'est le jeu, c'est le hasard, et c'est la console qui choisit les voyageurs solitaires, malheureusement. Donc voilà, mais bon, je vous croise quasiment tous, et j'essaye de vous prendre tous un maximum de fois. Donc voilà, j'essaie de faire un maximum et de montrer vos Kirby en vidéo. Ici, on a déjà fait pas mal de combats et pas mal de Kirby différents, donc j'espère que vous appréciez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye!